Bonjour messieurs dames, j'espère que ça va. Non, vous ne vous êtes pas trompé de chaîne. Je suis bien chez Zefri la Diaspora, mais je lui ai emprunté son téléphone portable et là, je suis en train de faire un petit tour dans son jardin. Vous savez, Zefri la Diaspora, il est un peu fou ce gars. Et là, je regarde, c'est bordel dans son jardin. Non mais Zefri la Diaspora, c'est quoi ce bazar? C'est tout dégueulasse. Mais t'es un gros dégueulasse. Regardez-moi ça. Ah, oh, j'irai pas habiter chez lui, c'est dégueulasse de partout. Oh là là! C'est soi-disant des petites salades qu'il fait pousser là? Mais il se moque de moi ou quoi là? Il se fait des semis de salades en paquet. Mais c'est de la merde! Oh là là! Et je fais une vidéo, mais vous y répétez pas. Hein. C'est avec son matériel. Comme je suis enrhumé, en fait, je suis arrivé chez lui, j'ai attrapé le rhume des foins, je voulais me venger. Regarde-moi ce bazar! C'est du n'importe quoi. Oh, des fraises. Des fraises. N'y a que les fraises qui poussent chez lui. Tout à l'heure, je l'ai vu arriver avec une grosse carriole. Qu'est-ce qu'il y a dans sa carriole? On va rigoler. Ah, y a rien. Y a rien dans sa carriole. Il a vidé déjà. Tout à l'heure, il y avait des branches qui dépassaient de partout. Qu'est-ce qu'il en a fait? Oh, regarde-moi ce bazar. Mais il mange dehors, dans l'herbe. C'est quoi? C'est l'apéro, tu prends penché comme ça? Le gars, il prend l'apéro penché. N'importe quoi. Dans sa tête, c'est penché. Psh, imbécile. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a par ici, là? Je visite son jardin pendant qu'il fait la cuisine. C'est trop rigolo. Attends. Zéphry, la diaspora, tu fais pousser des trucs, mais ça, c'est quoi, ça? Je connais même pas ces trucs. Qu'est-ce que c'est? C'est des bêtes, des blettes, je sais pas quoi. Ça pousse comme ça. Et c'est dégueulasse. Ça ressemble à des, comment on appelle ça? Des mauvaises herbes. Ah bah dis donc, il s'amuse lui. Puis je crois qu'il a plein de trous de rats dans son. Oh mais lui, il est habité par les rats. Hein. J'espère que dans sa tête, il n'y a pas des rats aussi. Il y a des trous de rats partout. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde, c'est une infection. Il est infesté. Oh, le bazar. Non, mais Zéphry, la diaspora, c'est quelque chose. Oh! Putain, il y en a des trains chez lui. Je savais même pas qu'il y avait des trains. Ah ouais, c'est ça les branches alors. Il a pris les branches, il a mis ça partout sur le sol. Mais c'est du laurier sauce où je rêve. Du laurier sauce, je sais pas pourquoi il met des branches par terre comme ça. Ça fait dégueulasse. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Des branches qui jonchent le sol. Mais tu peux pas balayer, faire quelque chose. Franchement, hein. Et il a des trucs qui poussent. Ça c'est quoi? On dirait des fruits rouges. Ah, ça pique. C'est quoi? Ça s'appelle comment? En plus, il met ses étiquettes à l'envers. Ça s'appelle, j'ai pas mes lunettes. Des framboisiers. Ça, c'est un framboisier. Ça, je sais pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est que ça qu'il a mis, Zéphrilin? Des cassis. Cassissier. On dirait il y a 6 S dedans. Oh là là! Ça pousse comme ça? Ça ressemble à ça. Oh, moi, je connaissais pas ça. Je croyais que c'était de la vigne. Moi, je serais passé, j'aurais dit, oh, c'est de la vigne. Ah non, c'est un cassissier. Bon, dis donc, t'as vu les feuilles du cassissier, comment c'est? Oh, le bazar! C'est des plantes ça, heureusement j'ai pas des trucs comme ça dans ma salle de bain. Ça on a dit que c'était quoi? Framboisier? Framboisier. Qu'est-ce qu'il a qui pousse encore? Il a un truc qui pousse pas. Oh, c'est un rubus. Rubus, je sais pas quoi. Ça doit dire de la framboise aussi. C'est un framboisier orange qu'il a dans son truc là. Attends. Oh, ça marche son appareil. Ah ouais, on peut faire un gros plan. Ah ouais, d'accord. Ça fait la mise au point hein, ou pas? Eh, il est pas moderne, hein, Zéphry la Diaspora. Ça fait même pas la mise au point, je sais pas. Framboisier, t'as vu? Ok. Qu'est-ce qu'on a encore ici, là? Oh, on a un truc où il n'y a rien marqué. Après, il est malin, lui, je crois qu'il va dire, ouais, ça a poussé dans les branches mortes, j'ai pas fait exprès,
je sais pas ce qui s'est passé. Il va encore mentir. Il est trop malin, lui. Ça, c'est quoi? Framboisier encore. Lui, il fait la tête. Hein. Attends, parce que là, tu vois plus rien, je crois. Oh, Zéphri, la diaspora, mais n'importe quoi. Eh, faut arroser quand même, là. Regarde-moi ça, la feuille verte ici. Et là, c'est tout sèche, tout sec. C'est n'importe quoi. On dirait que c'est la canicule. C'était un framboisier, messieurs, dames. C'est marqué ici. Est-ce qu'on va faire un agrandissement? On va voir ce qu'il y a marqué. Je sais pas. Ah, il y a des moustiques chez lui. C'est dégueulasse. On peut pas mettre de l'insecticide un petit peu? Framboisier, t'as vu? Oh, on arrive à lire. C'est bien. Il en a des choses. Ah, il fait un tapis de sol, je crois. Je sais pas ce que c'est, comment ça s'appelle. Alors, hop, ça, qu'est-ce que c'est? Encore un fond. Mais il bouffe que de la framboise, ce mec. Il va faire de la confiture ou quoi? N'importe quoi. Il a encore un rubus ici, là. Et lui, il est tout petit, il a du mal à. Hein, il a de la peine. Hein. C'est le rubus qui peine à monter. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, mais franchement, ce jardin, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, un truc sans étiquette. Eh, mais faut les voir, ces trucs. Il y a des branches partout et il y a des petits trucs qui poussent au milieu. Je te jure. Après, il va faire croire que c'est un miracle biblique. N'importe quoi. Bon, alors, ça, c'est quoi encore? Rubus. Mais ça ressemble à... Ça ressemble à de la framboise. Rubus. Mais si, c'est les mêmes feuilles. Ouais, d'accord. Ah, j'en apprends des choses dans son jardin quand même. Et ça, c'est quoi encore? Il y a encore un cassissier. Waouh! Un cassissier! J'aurais pu enlever les étiquettes des prix quand même là. Et oh, je l'avais pas vu celui-là. Tu te vois ça? Eh ben, qu'est-ce que c'est? C'est encore un rubus. Ouais, mais c'est bon. T'as raté le bus ou quoi? Hop! Ça, c'est quoi? Cassissier encore. Eh, franchement. L'année prochaine, je viens chez lui. Non, dans 2 ans. Parce que l'année prochaine, peut-être, ça va pas porter ses fruits. Dans 2 ans, je reviens. Et je reviens avec des bocaux. Il me dire, mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Tu passes tous les 2 ans? Bah ouais, pour voir s'il y a à manger. Hop. Ça, c'est cassis encore. Oh là là, il en a des choses. Et ça, mais là, il m'a cassé la tête parce que il n'y en a que des framboisiers, des cassissiers, des rubus, c'est la même chose que les framboisiers, on dirait. Je vais aller lui poser la question. Bon, bah en tout cas, les amis, vous dites pas que j'ai fait une vidéo. C'est quoi, il va mettre ça dans son internet, il va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas moi! Mais qui a touché mes affaires de mon matériel? Il va crier. Et tel que je le connais, il va faire, wesh, qu'est-ce que peut se passer? Bon, bah en tout cas... Moi, je vous dis à bientôt. Je vois que, je sais pas, peut-être qu'il voulait protéger ses plantes, mais je crois pas que ça va beaucoup protéger, hein, parce qu'il y en a plein des moustiques. Donc, regarde-moi ça, comme c'est dégueulasse, il fait des montagnes. Après, il va dire, ouais, nanana, nanana. Après, il y a madame qui va dire, ouais, il en fait des montagnes, pour rien du tout. Il fait des montagnes, tu vois. C'est une montagne. Ah, Jeffrey, la diaspora, n'importe quoi. Puis je sais même pas prononcer son nom tellement il est compliqué. Jeffrey, c'est comme ça qu'il dit quand il parle. Il sait pas parler. Il dit Jeffrey, la diaspora. Bon, bah, en tout cas, j'arrive bien à l'imiter. Bon, bah, si tu veux, tu mets une cloche. Comme ça va lui faire plaisir. Que je mets ça à la fin de la vidéo, comme ça, il va dire, ouais, quand même, il a été gentil. Il a dit, ouais, tu mets une cloche. Et puis tu souscris le dans le YouTube. Voilà. Et puis tu auras les. Comment on appelle ça? Les alertes quand il y aura des nouvelles vidéos. Et tu pourras regarder Zéphri la diaspora. Ou des fois, c'est pas Zéphri la diaspora. Bon, messieurs, dames, bonne soirée. Et puis à très bientôt. Wesh, à bientôt!